fil de tes journées, tu vivais l'Évangile, car Dieu et tes paroles en ton cœur bienveillant. C'est le Christ qui te reçoit, c'est le Christ qui t'a appelé, c'est le Christ pour l'éternité. Tes frères, Jésus est vérité, le chemin et la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Nous sommes nombreux cet après-midi, rassemblés en notre basilique cathédrale Notre-Dame de Québec,
pour célébrer les funérailles chrétiennes de notre archevêque émérite, Monseigneur Maurice Couture. Merci à vous tous et toutes d'être venus partager ce moment important de prière, de recueillement, de solidarité dans la peine, mais surtout dans l'espérance. De nombreux membres de la famille Couture, de Monseigneur Couture, sont présents. À vous, nos plus sincères condoléances. À sa famille spirituelle et religieuse de Saint-Vincent de Paul, notre communion fraternelle, alors que vous accompagnez l'un des vôtres à son dernier repos. Merci au Père Bertin Sanon, supérieur général des Saint-Vincent de Paul, venu de Rome pour nous accompagner. Au supérieur provincial, le Père Jean-Claude Arsenault, merci d'avoir accompagné avec autant d'affection notre cher Monseigneur Couture. En plus de sa famille de naissance et de sa famille spirituelle, se retrouve en deuil aussi la grande famille diocésaine de Québec, que Monseigneur Maurice a aimé et servi avec tant de dévouement. Vous le voyez, de nombreux prêtres, diacres, agents, gendres de pastoral et baptisés participent à cette célébration. C'est le peuple de Dieu aujourd'hui qui se rassemble pour présenter son Père, celui qui fut pendant 12 ans notre archevêque, à Dieu. Monseigneur Couture était aussi membre d'une autre famille, celle des confrères évêques. Vous êtes venus nombreux partager notre tristesse et votre présence est d'un grand réconfort. Son Excellence, le nonce apostolique, Monseigneur Luigi Bonazzi, représentant du Saint-Père au Canada. Votre présence nous touche. Membres d'autres églises et d'autres confessions religieuses, merci pour votre présence solidaire. À son honneur, le lieutenant-gouverneur du Québec, ainsi qu'aux représentants des divers paliers de gouvernement, aux autorités militaires, merci d'être avec nous. Monseigneur Couture, vous le savez, on l'a entendu ces derniers jours dans les médias par tant de témoignages, a non seulement été un homme d'Église et tout un, il a été un citoyen engagé au sein de la société. Votre présence témoigne de cela. Depuis le décès de Monseigneur Couture, nous avons reçu de très nombreux messages de condoléances. Le Saint-Père, le pape François, a eu la délicatesse de nous faire parvenir un message. C'est Son Excellence, le nonce apostolique, qui nous le partagera dans quelques instants. Le cardinal Marc Ouellette, successeur de Monseigneur Maurice Couture, a lui aussi tenu à nous faire parvenir quelques mots. C'est Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, qui en fera lecture. Enfin, M. Jacques Côté, proche collaborateur de tous les instants de notre archevêque émérite, viendra lui rendre hommage. Écoutons ces expressions de condoléances et hommages qui mettent la table afin que nous puissions célébrer ses funérailles. Les condoléances du pape François ont été adressées à son éminence le cardinal Gérard Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, et je vous partage ces mots. Apprenant le rappel à Dieu de Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, sa sainteté le pape François
tient à vous exprimer sa profonde sympathie, ainsi qu'aux proches du défunt et à la communauté diocésaine. Avec ferveur, il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et sa lumière ce pasteur qui a conduit avec zèle et dévouement le peuple dont il a eu la charge sur le chemin de l'Évangile, d'abord au service du diocèse de Baie-Comeau, puis de l'archidiocèse de Québec. Le Saint-Père prie le Seigneur de lui donner la récompense promise aux intendants fidèles de ses ministères. En gage de réconfort, sa sainteté vous envoie de grand cœur la bénédiction apostolique, ainsi qu'à la famille du défunt, à ses confrères religieux de Saint-Vincent de Paul, aux personnes qui l'ont entouré, à celles qui participent à la liturgie des obsèques et à tous les fidèles de l'archidiocèse de Québec. Message du cardinal Marc Ouellette à l'occasion des obsèques de Mgr Maurice Couture du Vatican le 2 février 2018. Retenu à Rome par des obligations de dernière heure, je m'associe de tout cœur par ce message à la prière de l'Église de Québec pour le repos éternel de Son Excellence Mgr Maurice Couture. Religieux et pasteur très estimé pour son engagement selon l'Évangile dans les transformations sociales et ecclésiales de notre époque, Mgr Couture nous laisse le témoignage et l'héritage d'un pasteur proche de son peuple et grand ami des pauvres à la manière du pape François. Nous lui en sommes profondément reconnaissants. Remercions Dieu de nous l'avoir donné comme témoin et comme guide et poursuivons à son exemple notre propre mission dans l'esprit qui a animé sa charité et dans l'espérance d'une communion toujours plus vivante avec lui en cette heure de sa Pâque définitive à la suite du Christ ressuscité. Marc Cardinal Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques. Cher Mgr Couture, cher ami, votre départ dans la paix du Seigneur aura bien sûr rempli d'une grande tristesse chacune et chacun d'entre nous. Nous voudrions toutefois, aujourd'hui, que notre peine devienne plutôt un immense chant de gratitude pour tout ce que vous avez donné à l'Église de Québec et à l'Église du Québec. Vous étiez comme pasteur un exceptionnel passeur d'espérance, si je puis le dire ainsi, toujours soucieux de traduire en paroles et en engagement les valeurs et les couleurs de l'Évangile. Au fil des années, deux mots auront constamment témoigné de l'immense humanité qui vous caractérisait si bien, partage
et solidarité. Deux nobles chemins de service qui ont donné à votre action pastorale et sociale une si grande crédibilité. Religieux de Saint-Vincent-de-Paul, prêtre, évêque, vous nous aurez inspiré par votre passion singulière et toujours renouvelée pour tout ce qui concerne la promotion de l'humain, la défense des droits de la personne, l'attention aux démunis et tout ce qui a trait à la pauvreté et à l'exclusion sociale. J'oserais dire aussi que jamais vous n'aurez été un homme du passé, de la nostalgie, des regrets, des regards en arrière, des inutiles moralisations, mais porteur d'une inébranlable confiance en la vie, en la beauté du monde, en la richesse de la jeunesse. Vous saviez toujours nous relancer en avant, oui, dans la nécessaire fidélité à l'héritage, mais toujours ouvert à de nouveaux possibles, à faire se lever des aurores nouvelles. Et lorsque, face aux nombreux défis, notre Église a dû emprunter ces dernières années des routes difficiles, vous avez toujours témoigné d'une indéfectible solidarité et unité avec vos confrères évêques, avec les prêtres de votre diocèse, comme avec les laïcs et religieux, religieuses, que vous avez accompagnés dans les divers projets de notre Église. Combien de fois, sollicité par de nombreux organismes à vocation sociale, humanitaire, communautaire ou politique, vous étiez avec assurance le critique éclairé de nos pratiques sociales et vous saviez constamment nous rappeler que les valeurs spirituelles doivent toujours être au cœur de la promotion de l'humain intégral. Tant de fois, nous vous aurons entendu dire et redire encore que notre société, souvent si tourmentée, si remplie de paradoxes, chercheuse d'équilibre et de sens, devait s'appuyer sur la générosité de chacune et chacun pour apprendre à dépasser la seule recherche de l'avoir, le souci de l'éphémère, le culte des droits individuels. Homme de transparence et d'intégrité, pédagogue, communicateur si apprécié de tous, pasteur au commerce si agréable, vous nous laissez un souvenir des plus affectueux, celui d'un authentique et attachant témoin de toutes les solidarités qui doivent nous lier à nos frères et sœurs en humanité. En vous redisant ma plus grande affection, notre plus grande affection, je me permets de souhaiter que de là-haut, dans la paix et la lumière du ressuscité, cher Monseigneur, vous puissiez vous souvenir de chacune et chacun de nous, jeunes et moins jeunes, qui allons par les chemins de nos vies. Au revoir, cher Monseigneur Couture. Au revoir, cher ami. Nous vivrons notre célébration en accomplissant avec simplicité, respect et recueillement les rites de l'Église. Des rites qui nous ouvrent à l'espérance. Que tous ces signes nous rappellent la beauté et la grandeur de notre vie d'enfant de Dieu et spécialement celle de notre frère, Monseigneur Maurice. Veuillez vous asseoir. La croix près du défunt nous redit l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver et nous donner la vie en abondance.
de l'autre côté du cercueil de notre frère évêque Maurice, le cierge pascal nous rappelle la présence du Christ, le ressuscité, le vivant. Que cette lumière affermisse notre confiance et notre foi en lui, Jésus, vainqueur de la mort. L'abbé Michel Drouin, l'un des nombreux prêtres que Mgr Maurice Couture a ordonné, dépose sur le cercueil une mitre qui nous rappelle que par le ministère des évêques, le Seigneur continue de guider et de prendre soin de son peuple en marche. Nous le savons, la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de lumière pour tous les croyants. Les évêques ont la mission d'annoncer la bonne nouvelle et de professer les vérités de la foi chrétienne. Mgr Maurice a exercé avec talent et passion la proclamation de la parole et l'a enseigné avec conviction. C'est Mgr Eugène Tremblay et Mgr Jean-Pierre Blais qui déposent l'évangiliaire sur son cercueil. Ces deux confrères ont été ordonnés évêques par l'imposition des mains de Mgr Couture en 1995, alors qu'il était archevêque de Québec. Frères et sœurs, la mort de notre archevêque et pasteur émérite nous rappelle notre condition humaine et notre propre fragilité. Le Seigneur ravive en nos cœurs l'espérance fiable de la vie éternelle et pour nous brille la lumière de sa miséricorde. Avec le chant du Kyrie eleison, nous t'implorons, Seigneur, prends pitié de nous. Et prends pitié de ton serviteur, Maurice.
fasse miséricorde, qu'il nous tourne, qu'il tourne vers nous son visage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, accorde à ton serviteur Maurice, que tu nous avais donné comme évêque, la juste récompense de son travail. Qu'il entre pour toujours dans la joie de son maître, après s'être consacré au service de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons place maintenant à la table de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ésaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. » C'est lui, le Seigneur. En lui, nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton
me guide et me rassure. Table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le et bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que moi-même j'ai reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Parole du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ces mots célèbres du psaume 22, qui nous sont si familiers, expriment probablement le mieux l'attitude fondamentale d'un chrétien et du type de relation qu'il entretient avec son Dieu, une relation de confiance.
les textes de la parole de Dieu qui ont été choisis et proclamés au cours de cette célébration expriment chacun à leur tour une facette de cette confiance que nous appelons aussi la foi en Dieu, en sa promesse, en sa présence dans notre vie. En voici quelques extraits. Du livre du prophète Isaïe, nous avons entendu cette déclaration. Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Un verset du psaume 22 plaçait dans notre bouche ces paroles tout empreinte de confiance. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Pour sa part, saint Paul est tellement convaincu de la résurrection du Christ, puisque lui a fait la rencontre avec le ressuscité, une rencontre qui a changé sa vie à tout jamais, qu'il affirme avec force. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et enfin, cette prière de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile selon saint Jean, qui nous révèle comme le secret de son cœur, le désir le plus profond. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. C'est la petite Thérèse, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui avait longuement contemplé les saintes Écritures et médité en profondeur l'essence de la vie chrétienne, qui résume tout cela en une phrase. C'est la confiance, rien que la confiance, qui conduit à l'amour. Frères et sœurs, si lors de funérailles chrétiennes, nous donnons une large place à ces textes bibliques, c'est qu'ils nous recentrent sur ce qui nous permet de croire, la confiance, la foi en la parole de Dieu et surtout en la résurrection du Christ du séjour des morts. Monseigneur Couture était habité de cette foi. Il y a à peine 2 mois, dimanche le 3 décembre, il nous avait visités, il était en fauteuil roulant. Il avait demandé de venir faire un tour dans la cathédrale. J'avais le bonheur de pousser son fauteuil roulant. Il a fait tous les recoins, mais on s'est longuement détenu ici, au pied du chœur, près de la cathèdre. Il regardait et nous avons admiré ensemble ce qu'il y a de plus élevé ici dans le chœur, au-dessus du baldequin. Le Christ victorieux de la mort. Il n'est plus sur la croix, il tient dans ses mains la croix. Il est vivant. Il m'a dit, c'est ma dernière visite ici. C'est la dernière fois que je revois ces lieux qui ont été pour moi des lieux si extraordinaires de célébration, de souvenir. La foi. Nous, chrétiens et chrétiennes, nous ne nous berçons pas d'illusions devant la rude réalité de la mort. Nous ne cherchons pas à cacher la mort ou nous engourdir devant le drame de la fin de notre vie. Ce n'est pas nécessaire de faire cela, car nous sommes habités par une espérance fiable, comme aimait dire le pape Benoît XVI, une espérance fiable, celle de la résurrection du Christ.
Nous avons confiance en la promesse de Jésus, en la prière qu'il adresse à son Père, dans laquelle il exprime le désir que nous soyons avec lui, lui le vivant, dans la vie éternelle. Jésus est ce bon berger qui nous guide à travers la vie. Et là où il nous conduit, c'est la vie en abondance, la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle! L'expérience de la mort demeure pour un croyant un grand mystère, une page de notre vie que vous et moi n'avons pas encore écrite et qui nous laisse avec bien des questions, certes. Nous savons cependant qu'un jour, nous parviendrons à ce moment de vérité et de rencontre avec notre Dieu. La relation que nous entretenons avec le Seigneur au cours de notre vie nous prépare assurément à cette rencontre. Même si nous ne savons pas quand, ni comment, ou où elle se produira. Comment pouvons-nous vivre cette attente sans angoisser? La parole de Dieu nous invite et nous aide à vivre dans la confiance et non pas dans la peur. Rappelons-nous ces paroles du psaume avec lesquelles nous venons de prier. Le Seigneur me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Ces paroles, vous savez, ne sont pas seulement destinées à nous aider à bien mourir. Elles nous aident déjà à bien vivre dans la confiance. Monseigneur Maurice Couture vivait une relation de confiance avec Dieu, une amitié qui s'est développée et nourrie tout au long de sa vie. Il a appris du Maître, le Christ, à voir la vie autrement, à voir les gens autrement, à voir le monde et la réalité autrement, comme Dieu les voit et les aime. Hier, en l'église de Saint-Angèle de Saint-Malo, et ce matin, en notre basilique cathédrale, nous avons entendu des centaines et des centaines de personnes qui sont venues témoigner, des personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie. Un fil conducteur reliait, il me semble, tous ces témoignages, comme une trame de fond. La proximité, le respect de toute personne, la solidarité et le partage. Où Maurice Couture a-t-il appris à être si serviable, si proche des personnes souffrantes et exclues? Où a-t-il appris à relire la vie du monde et de l'Église avec un regard ouvert et plein d'espérance? Un regard qui ne condamne pas, mais qui invitait au dépassement et à la miséricorde. Son milieu familial avait déjà posé des bases solides, j'en suis sûr. D'ailleurs, il en témoignait souvent. Sa communauté, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, qui a pour mission l'évangélisation des familles, des milieux populaires, a été également un lieu d'apprentissage important, qui l'a mis en contact direct avec le monde et ses besoins. Mais j'oserais affirmer, sans crainte de me tromper, que c'est dans l'Évangile, dans la célébration de l'Eucharistie, dans la prière, dans cette relation de confiance avec le Seigneur qu'il s'est laissé façonner au jour le jour pour devenir, comme Jésus, un amoureux de l'humanité. Du côté des personnes les plus pauvres, comme Jésus. Monseigneur Couture était habité par un désir profond,
qu'on pourrait dire presque qui le hantait jour et nuit, a mené ses frères et sœurs à la rencontre avec celui qui est la vie, le Christ. Il se savait aimé de Dieu et entretenait avec lui une amitié profonde, empreinte de confiance, et c'est ce qu'il souhaitait faire goûter à toutes les personnes qu'il rencontrait. Il aurait facilement pu reprendre les paroles de la prière de Jésus. « Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. » Monseigneur Maurice Couture a beaucoup parlé au cours de sa vie. Il avait le verbe facile, des idées claires et la passion de la communication. Nous en avons largement bénéficié. Et il a aussi autant parlé, sinon davantage, par son témoignage de vie. Une personne me disait ce matin, lorsqu'elle est venue, elle s'est détenue longuement en prière devant la dépouille de Mgr Couture. Je la voyais émue. Et par la suite, elle est venue m'offrir ses condoléances. Et elle m'a dit, « C'est un devoir pour moi d'être ici aujourd'hui. » Oh, j'ai dit, « Vous l'avez bien connu. » Elle dit, « Je ne l'ai jamais rencontré, mais je le connaissais par ses œuvres. » C'est beau, ça. « Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai connu par ses œuvres. J'ai vu ce qu'il faisait dans les milieux populaires, communautaires, le Noël des enfants, les Saint-Vincent de Paul, etc. » On ne se souvient certes pas de tout ce qu'il nous a dit, mais jamais nous n'oublierons les gestes qu'il a posés à notre égard. Une visite, un appel, une carte de souhait de Noël, un accueil chaleureux, une écoute active, un bon conseil, une visite à une personne malade, un panier de fraises fraîches livré à domicile, des fraises qu'il avait bien sûr lui-même cueillies dans la journée. Presque toutes les religieuses ont dit qu'ils avaient reçu des fraises de Monseigneur. Parfois, on me dit qu'il arrivait par la cuisine, il arrivait de l'île d'Orléans après avoir cueilli les fraises et il n'était pas habillé en évêque, il était en pantalon de semaine, comme on dit, en t-shirt. Et parfois, on ne le reconnaissait pas et les sœurs ne voulaient pas recevoir les fraises. Ils pensaient que c'était un vendeur qui passait par les portes. Personne n'oublie ces gestes qui parlent parfois beaucoup plus fort que nos mots et nos beaux discours. C'était beau de le voir vivre. À 91 ans et 2 mois, il avait encore du souffle et un grand intérêt pour la vie. Il s'intéressait à nous et se préoccupait pour nous. Comme quelqu'un disait ces jours-ci, Monseigneur Couture, c'était du vrai. Lorsque notre premier évêque, Saint François de Laval, est décédé, en mai 1708, quelqu'un avait dit lors de l'oraison funèbre à son sujet, « Est-il possible qu'il soit mort cet homme qu'on avait tant de plaisir de voir vivre et dont la mémoire ne mourra jamais? » L'Église du Québec a vu vivre et servir un grand pasteur, un homme d'exception. Il a été un grand témoin de la vie, un défenseur des personnes les plus vulnérables au cœur de la société québécoise. Tout cela a été possible parce qu'il a su être docile et disponible à l'œuvre de l'Esprit-Saint en lui. Comme saint Paul, il pouvait affirmer « Ce que je le suis par la grâce de Dieu. » Je demande à Dieu que son témoignage et son exemple suscitent en nous, frères et sœurs, l'audace
de poursuivre notre vie, notre mission, avec l'enthousiasme et la persévérance qui l'animaient. Si lui a pu dire « mission accomplie » au terme de sa vie, nous, nous sommes appelés à poursuivre notre route et notre mission. À l'exemple de Mgr Couture, demandons à Dieu de nous permettre de vivre dans la confiance, rien que la confiance, appuyée sur une foi vivante et en croissance permanente, les yeux fixés sur le Christ, le vivant, qui a vaincu la mort puisque Dieu l'a ressuscité. Ainsi, nous pourrons répéter avec le psalmiste, « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Inspiré par la vie de celui qui s'est mis totalement et humblement au service de notre Église et de l'humanité, avec confiance et gratitude, présentons notre prière au Seigneur. Après chaque intention, nous sommes invités à répondre. Seigneur, nous te prions. Pour notre frère défunt Maurice, qui a été par son ministère presbytéral et épiscopal, un témoin fidèle de la tendresse et de la compassion de Dieu, afin qu'il contemple maintenant dans la joie le visage de celui qu'il a toujours aimé, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour la famille spirituelle de Mgr Couture, les religieux de Saint-Vincent de Paul et sa grande famille de naissance, afin que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à vivre dans le deuil avec sérénité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre Saint-Père, le Pape François, nos évêques, prêtres, diacres, ainsi que tous les hommes et femmes au service du peuple de Dieu, afin que l'Esprit de sagesse les soutienne et les guide, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui se dévouent jour après jour au bien-être des autres, spécialement des personnes les plus pauvres, démunies et exclues, afin que leur exemple nous incite à construire une vie plus fraternelle, solidaire et juste, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie et de l'isolement, afin qu'elles s'ouvrent à la grâce de Dieu et puisent leur force dans la foi et la confiance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui étaient proches de Mgr Maurice, et pour nous ici rassemblés, afin que notre foi en la résurrection nourrisse notre prière et raffermisse notre espérance, prions le Seigneur. Dieu de bonté, écoute les prières que nous t'adressons humblement au nom du Christ ressuscité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur Maurice, toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat. Fais qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le demandons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Pouvez-vous mettre à genoux si vous le souhaitez? La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est
est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous atteignions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie la Bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, les saints martyrs canadiens, Saint Vincent de Paul, le bienheureux Frédéric Osaman, les bienheureuses Marie-Catherine de Saint-Augustin, Dina Bélanger et Elisabeth Turgeon, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de notre frère Maurice, celui que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères défunts. Souviens-toi des personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec thank you.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu. Qu'elle soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur, la joie de notre cœur. Qu'elle s'élève et qu'elle chante, la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, des quatre coins de notre terre. De chez nous et d'ailleurs, que tout un peuple en sa prière célèbre son pasteur, célèbre son pasteur. Le pain. De la terre, de la vigne et du travail humain, et du travail humain. Existe-t-il de plus beau signe que ce pain et ce vin, que ce pain et ce vin? Voici le pain qu'il nous partage, son corps livré pour nous. Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous, son sang versé pour nous. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur Maurice. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'Église de Québec. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir. Dans la suite de l'Eucharistie que nous venons de célébrer, confions de nouveau notre frère Maurice à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Recueillons-nous un moment en pensant tout ce qu'il a semé de bon, de beau tout au long de sa vie, tout ce que nous avons partagé à ses côtés, à ce qu'il a été pour nous et à ce qu'il demeurera pour nous, maintenant qu'il s'est endormi dans la paix du Christ. Venez, Saint du Ciel, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, Saint Vincent de Paul, bienheureux Frédéric Ozanam, bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, portez-lui secours. Allez à sa rencontre, ange du Seigneur. Venez pour accueillir cet homme qui nous est si cher et présentez-le à Dieu, qui est toute miséricorde. Jésus-Christ l'a lui-même appelé, qu'il l'accueille auprès de lui, dans la communion des fidèles de Dieu. Recueillons-nous dans cette espérance. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Je vais maintenant encenser le corps de notre pasteur émérite, corps que Dieu lui a donné et qu'il l'a bien servi tout au long de sa vie terrestre, corps habité par la présence de Dieu. Que cet encens monte aussi vers Dieu avec notre prière de reconnaissance. Par la suite, le supérieur provincial des religieux de Saint-Vincent de Paul, le père Jean-Claude Arsenault, aspergera son corps, promis à la résurrection. Que cette eau rappelle le jour de son baptême, et nous rappelle que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu, appelés à la pleine communion avec Dieu. Thank you.
Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, en l'espérance que tous ceux et celles qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que notre frère Maurice a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons ta générosité. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Tu nous as dit, Seigneur, que près de toi, ceux et celles qui sont morts vivent à jamais. Les yeux de ton serviteur sont désormais fermés à la lumière du jour. Et si nous voulons retrouver son sourire, nous devons nous-mêmes fermer les yeux. Accorde-lui ce que nous désirons tous et toutes, la joie de contempler ton visage, toi qui, dans ton amour, nous as créés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous avons vécu un moment intense de prière en ce rassemblement qui aura fermé notre foi au Seigneur ressuscité. Que le souvenir de notre frère, son amour et sa proximité avec toute personne nous inspirent pour être à notre tour les témoins de l'amour, engagés à servir et aimer nos sœurs et frères. Allez dans la paix du Christ. Lorsque nous accompagnons un ministre ordonné, au moment de ses funérailles, qu'il soit diacre, prêtre ou évêque, c'est notre coutume d'entourer sa dépouille et d'entonner l'hymne du Salve Regina, une salutation à la Vierge Marie, Mère de miséricorde qui nous conduit à Jésus. Par la suite, quelques personnes désignées se déplaceront à la crypte de la basilique cathédrale où reposera la dépouille de Monseigneur Couture dans l'attente de la résurrection. Les registres y seront signés. Et vous remarquerez, ce sont des confrères prêtres et diacres que Monseigneur Couture a ordonnés qui seront les porteurs pour le conduire jusqu'à l'entrée principale de la basilique cathédrale. Salve Regina.